en visite à Ouargla, le général Ahmed Gued Salah s'est une nouvelle fois prononcé, ce mardi 16 avril, sur la situation politique. Le chef de l'armée a accusé nommément le général Toufik d'avoir pris part à des réunions secrètes. J'ai déjà évoqué, lors de mon intervention du 30 mars 2019, les réunions suspectes qui se tiennent dans l'ombre pour conspirer autour des revendications du peuple et afin d'entraver les solutions de l'armée nationale populaire et les propositions de sortie de crise, affirmait Gued Salah, accusant ses partis d'avoir nié la tenue de ces rencontres. Toutefois, ces partis, à leur tête l'ex-chef du département du renseignement et de la sécurité, ont tenté en vain de nier leur présence dans ces réunions et d'induire en erreur l'opinion publique, et ce en dépit de l'existence de preuves irréfutables sur ces faits abjects, a-t-il affirmé. Nous avons affirmé, ce jour-là que nous allions dévoiler la vérité, et les voici continuer à s'agiter contre la volonté du peuple et œuvrer à attiser la situation, en approchant des partis suspects, et inciter à entraver les solutions de sortie de crise. À cet effet, je lance à cette personne un dernier avertissement, et dans le cas où il persiste dans ses agissements, des mesures légales fermes seront prises à son encontre, conclut-il.